Salut tout le monde et re-bienvenue sur les Sims 4. Désolé encore une fois pour le petit délai, c'est vrai que je fais passer un petit peu les Sims médiévales devant. Mais cette fois-ci, on revient avec une belle surprise, une très jolie surprise. Enfin, c'est pas vraiment une surprise parce que j'avais annoncé que j'allais m'occuper de l'étage entre deux épisodes. C'est chose faite, j'ai fait quelque chose de très simple, très modeste, parce que bon, en même temps, le budget nous limitait un petit peu. Il nous reste 523 Simflouz, donc j'ai quand même été assez généreux sur... Voilà, sur l'aménagement de l'étage, notamment, voilà, c'est bon, maintenant, Elisabeth a une chambre décente, elle a une table de nuit avec sa lampe dessus, elle a bien sûr un bureau, tout comme sa sœur, et puis pour... on a les toilettes, bien sûr, on a les toilettes. Et puis pour le couloir, on va dire, c'est pas vraiment un couloir, mais bon, j'ai fait, voilà, un petit espace de lecture, un petit peu décoré avec voilà un petit canapé, une petite bibliothèque, une petite plante, histoire de d'avoir quelque chose que ça fasse pas vide. Bien sûr, vous le savez, j'étendrai ensuite l'étage, voilà cette partie-là, ce qui nous fera une maison un peu plus grande et notamment je ferai une deuxième salle de bain. J'avais prévu de la faire ici, la deuxième salle de bain. Donc c'est très bien. On sait ce qu'on va faire plus tard. Du coup, il faudra notamment enlever cette fenêtre-là. Mais là, c'était indispensable pour faire entrer un petit peu de lumière. Après, il faudra trouver autre chose, certainement. Mais bon, on a tout le temps de chercher. Donc, et ben voilà, on est parti pour une nouvelle journée. Vas-y, fais, ma fille, fais. Mais j'étais en train de me doucher quand même, t'exagères, hein. Bon alors, on en est où dans notre histoire? Parce que là, du coup, voilà, on a un petit peu moins d'argent. Ah, bon retour, ma fille, bon retour. Elle nous remercie pour sa chambre, parce qu'elle a enfin une chambre avec du pain, c'est surtout ça. En plus, l'avantage, c'est que du coup, avec d'autres toilettes, ça va moins se bousculer. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Prendre une douche? Parce que j'ai été viré de la salle de bain, apparemment, dis donc. Ah, vilaine fille. Ensuite, utiliser et j'irai m'occuper de mes roses. Voilà. Allez, zoup. Allez-vous-en, vilaine fille. Pause. Pause, que je vois où sont tes devoirs. Voilà, comme ça, on va faire ça tout de suite. On va placer les devoirs sur le bureau, comme ça, aucune excuse pour vous, les filles. D'ailleurs, bah tiens, toi, est-ce que tu as fait tes devoirs? Non. Alors, atteindre le niveau 2 dans une compétence, on va peut-être privilégier ça d'abord. Faculté sociale. Ça m'a l'air assez jouable. Discuter. Faire connaissance avec ta sœur. Allez, discuter des centres d'intérêt. Juste discuter. Allez, faire connaissance. Ce sont les Sims. On accepte, on accepte, on accepte. Et puis après, tu iras faire tes devoirs. Parce que oui, je me souviens, les filles, vous n'avez pas de très très bonnes notes, hein, c'est très moyen. Ceci dit, c'est pas mauvais, mais c'est moyen. Donc les filles, vous pouvez faire mieux. Je vous encourage, on va pas quand même les gronder parce qu'elles sont moyennes. On va les encourager pour qu'elles fassent mieux. Voilà, ce serait quand même cruel. Elles sont pas mauvaises. Acheter un instrument. Ma chérie, on n'a plus beaucoup d'argent. Alors ma fille, ce que tu vas faire, c'est que tu... Appeler quelqu'un au téléphone, oui, pourquoi pas. Par contre, tu parles un peu fort, je trouve. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis de son, parce que j'ai remarqué que j'avais pas mal de soucis de son, enfin, des petits soucis, comme ça, mais qui sont assez gênants parfois. Et ça me le fait uniquement quand je m'enregistre sur PC. Ah d'accord, elle peut faire ses devoirs en discutant. Pourquoi pas? T'es fatigué et t'as pas fait tes devoirs. Ah là 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 là. Est-ce que t'as ton violon dans ton inventaire, ma fille? Il est là. Comme ça, elle va pouvoir en jouer. Ce sera déjà ça. Si elle fait pas ses devoirs, au moins elle jouera du violon, quoi. C'est parfait. Niveau 2, dans la compétence faculté sociale. Non, non, tu vas pas changer de chaise non plus à tout bout de champ. Non, tu restes là, ok? Donc, quant à toi, toi, tu vas aller bosser dans ta chambre. Allez, file! File, file, file. Boum, je me perds un petit peu dans l'interface là. Je sais pas trop ce que j'ai. Bon, je peux pas le faire tourner, c'est pas grave. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi tu peux pas t'entraîner? Ah, mais oui, je suis. Hop. Il est où ton vrai violon, s'il te plaît? J'en ai acheté en plus. Ah, bah oui, bien sûr, bah voilà. Voilà. Ah, tu le mets dans l'inventaire. Non, tu discutes pas. Tu discutes pas, t'as du boulot. Oh, oui, bah. Ok, c'est cool. Voilà, violon, et tu t'entraînes, s'il te plaît.
Bon, je vais quand même pas la fatiguer non plus à la tâche. Dès qu'elle sera très fatiguée, on la fera dormir. Émilie était sortie pour faire la fête avec des gens. Elle a vu des gens, elle a vu Gilles Vador notamment. Je suis Gilles Vador. Dans l'observatoire? Non. Non. Non, pas aujourd'hui. Allez, le petit bisou du retour. Pour ce qui est des promotions, tâche du jour, écrire des livres, pas commencer, sauf que t'es fatigué, on quand même pas la forcer à écrire un livre alors qu'elle est fatiguée. En plus, il est assez tard pour aller se coucher. Moi non plus, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai faim. Ah, je risque de me lever cette nuit, c'est ça le problème en fait. Je risque de me lever cette nuit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais manger. En plus, on a des restes, je crois. Parfait. Parfait, parfait. Des pâtes à l'ail. Toc. Et quant à toi, madame, tu peux dormir. Voilà. Non, c'est bon, cette discussion est terminée. Tu peux aller dormir. Là, je vais prendre soin de mes Sims, hein. Parfait. Elisabeth, niveau 2. Fais tes devoirs jusqu'à une heure raisonnable. Disons qu'à 23 h, je l'envoie au lit parce que sinon, après, elle sera beaucoup trop fatiguée et ça le fera pas pour la journée de demain. Alors, le problème, c'est que si je les envoie au lit trop tôt, ils vont se réveiller trop tôt et du coup, ils seront fatigués trop tôt. Donc, c'est toujours ça la galère. Mais on peut prolonger l'action normalement, je crois, non? Ou alors, c'est que. Ouais, c'est je confonds avec les Sims 3 slash médiéval. Parce que c'est le même système hein, dans les Sims 3 et les Sims médiéval. Les Sims médiévales d'ailleurs, jeu sur lequel je m'amuse énormément, je prends beaucoup de plaisir à faire ces quêtes. C'est vraiment formidable. Bon, je pense qu'on va pouvoir accélérer le temps parce qu'il se passe pas. Oh d'accord. Je me dis mince, y a qui sous la douche? Personne, c'est juste que la douche est cassée. Elle est pas fatiguée, elle. Purée. Bah tu vas réparer la douche? Hein? Sauf que c'est moi qui l'ai cassée, je crois, en plus. Allez, contemplez. Divertissement. Tu vas discuter. Bah tu vas serrer Blarfi dans tes bras, voilà. Et puis tu vas. Non, tu vas pas parler, tu vas jouer avec. Et ensuite, tu iras te coucher quand on aura marre. Donc là, oui, je pense que raisonnablement on peut. Qu'est-ce que tu fais? T'as fait tes devoirs? Ah non, mais tu. Non, tu discutes pas avec ton père, tu discutes pas avec moi. D'accord. Et il super l'étage, on fait un selfie. Ouais! Clic! Bon, après tout, pourquoi pas, ils sont tous fiers de leur du travail qui a été fait à l'étage. D'accord, j'accepte. Émilie rigole pendant son sommeil. C'est une femme heureuse. Tant mieux! Allez, donc, devoir, jeu. Et. Ah. Ouais, sauf que t'as traîné pour faire tes devoirs, vilaine fille. Je pense que. Lucie, je peux l'envoyer au lien un petit peu plus tard. Elle, par contre, non, c'est pas possible. C'est pas possible. 50%, ça suffira. Ouais, mais je pense pas que ça valide le truc quand même. Est-ce que ça fait vraiment une grosse différence entre 50% et le 100%? Enfin, entre le 0% et le 50%? Est-ce que comme c'est à moitié fait, le jeu considère que c'est pas fait, que du coup, la note. Enfin, les notes ne montent pas? C'est possible. Elle commence à avoir sommeil, c'est très bien. Voilà, comme ça on envoie tout le monde au lit. Et on va pouvoir passer à une nouvelle journée. En tout cas, je suis très content de cet étage. Je trouve, évidemment très modeste, hein, mais correct. Donc je valide. Voilà, je valide ma création. Bon, après, c'est vrai que l'argent étant une grosse limite, j'ai pas été chercher très très loin dans les décors. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez joli, qui est assez harmonieux. Voilà. Je valide, voilà, je me répète, mais je valide. En plus, je voulais pas prendre trop de temps à le faire aussi, parce que voilà, cet épisode-là, vous l'avez attendu un petit moment quand même. Et bon, pour tout vous dire, c'est le soir, faut pas que j'enregistre trop tard pour pas trop déranger les voisins, parce que je suis en cité universitaire, comme vous pouvez, enfin, en résidence universitaire. D'ailleurs, certains ont remarqué la différence de fond derrière moi. Il y a un papier peint normal cette fois. Oh, Émilie a appris à préparer des spaghettis et du gâteau aux fraises, grâce aux pancakes. Les Sims, ce sont les Sims, cherchez pas.
Ne cherchez pas, c'est formidable. Ah oui, d'accord. Il y a la mère qui s'est donné du mal à préparer des pancakes et les gens prennent des restes dans le frigo. Mais moi, je veux des pancakes, mince! Quant à toi, t'as du boulot, super papa. Tu ne bosses pas aujourd'hui, bah c'est très bien, tu vas pouvoir réparer la douche. Donc, tu iras réparer la douche et tu iras essuyer ça. Et même si t'es enjôleur, bah tu vas pas non plus. Ah, mais c'est vrai que. Ah oui, d'accord, il se dit, bah, je finirai mon assiette plus tard. Allez, petit déjeuner en famille, voilà. Elisabeth, elle est respectueuse du travail de sa mère, elle mange. Les. Ah bah non, non, j'ai rien dit. C'est des. C'est quoi, c'est pas. Bah non, c'est des pâtes à l'ail. J'ai rien dit. D'accord. Les délicieux pancakes ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Alors que la qualité est bien, oui, d'accord, la qualité est bien. Sauf que la qualité des pâtes à l'ail est bien aussi, donc il n'y a pas d'excuse, quoi. Si ça avait été meilleur, pourquoi pas, mais là non. Là non, clairement non. Allez, on va jeter directement parce que voilà, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Ouais, plus tellement, mais bon. Allez. S'entraîner. Oh, mais attendez, programmer. Programmer, il faut que je continue mon virus. Il faut que je continue mon virus pour faire le mal. Allez, la dernière qui reste à table. Fera la vaisselle. Eh ouais! Et la méthode formidable pour mettre les aliments dans le réfrigérateur, c'est ça. On peut le faire, donc pourquoi s'en priver? Ça épargne une action de plus à nos Sims. Et est-ce qu'elle a un livre à continuer? Comédie. Tiens, elle peut écrire une comédie. Enfin, oui, d'accord, écrire un sketch ou écrire des blagues, d'accord. Autant pour moi. Autant pour moi. Alors. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle a un genre particulier? Non. Flirter avec quelqu'un, tenir une promotion, appeler quelqu'un au téléphone. Bon bah voilà, on va commencer un nouveau livre. Pom-pom-pom. Qu'est-ce que. Fantasy, je suis pas sûr qu'elle ait écrit des livres de fantasy récemment. Mince, du coup elle est pas allée aux toilettes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est bon, bah tu fais la vaisselle. C'est toi qui t'y colle. Et voilà. Et voilà, quant à toi, ma fille, bah, enfin mon autre fille, tu vas pouvoir t'épanouir. Manège mécanique. Non, tiens, je vais m'inspirer de ce truc-là, mais un manège. Enchanté. Un manège enchanté, c'est pas le manège enchanté. Je copie pas. Comment décrivez-vous ce livre? Allez, tiens. Une enfant qui s'aventure. Qui s'aventure. Dans le monde de ses rêves. Voilà, c'est vague. C'est un petit peu le mix entre le manège enchanté et Alice au pays des merveilles. Il y a concept. Il y a concept. On s'inspire des œuvres déjà connues, enfin voilà, des histoires qu'on connaît déjà, et on se les approprie, on les modifie, on s'en inspire, et on crée tout un univers autour de ça. C'est superbe. J'adore. Ça va faire un carton. Surtout que niveau compétence écriture, ça commence à y aller, hein, quand même. Tiens, tu vas parler à Blarfi, toi. Ah ben non, il y a des toilettes là-haut. Hé hé! Il y a des toilettes là-haut. Et ensuite, tu vas parler à Blarfi. Parfait. Mais franchement, les droits d'auteur. Jackpot, money. Donc on va parler, on va se renseigner sur l'hibernation. Tiens, on va apprendre l'hibernation avec Blarfy. Aujourd'hui, les Sims 4 vous présentent apprendre l'hibernation avec Blarfy. Bonjour, je m'appelle Blarfy, j'hiberne en hiver parce que je suis un ours, j'aime beaucoup manger du miel et donc du coup j'en mange beaucoup beaucoup beaucoup, comme ça j'ai un gros ventre qui me tient et j'ai beaucoup de graisse, ce qui me tient bien au chaud pendant l'hiver et je peux hiberner tranquillement. Et quand je me réveille au printemps, je suis tout content. Voilà, je savais pas quoi dire. Donc bonjour Blarfy, bonjour les enfants. J'ai tapé dans le micro, mince. Blarfy ne fait pas ce genre de choses. Blarfy est doux. Blarfy ne frappe personne. Il ne frappe rien. Blarfy est pacifique. Blarfy est aussi doux que du miel. Coucou les enfants, c'est Blarfy. Oh, je vais me mettre à faire des voix comme dans les Sims 2 avec Monsieur Lapin. Coucou les enfants, c'est Monsieur Lapin.
Ah. Ça fait un petit peu voix de Mickey aussi. Bon. Allez, on accélère tout ça. C'est le samedi, c'est le week-end, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Alors évidemment, il y a un objectif qu'on a, c'est d'avoir une grande piscine. Oh! En exploitant un espace de recherche tampon saturé, non protégé et fonctionnant en sous-régime, Kev a pu infecter des milliers de systèmes anciens. Les machines zombies ont surchargé les réseaux bancaires du monde entier, lui rapportant 428 silflouzes. On va effacer tout de suite l'épreuve. Il ne s'est rien passé, et vous n'avez rien vu. Sinon... D'accord, on se comprend. Parfait. Madame est concentrée, ça tombe bien. Achetez un échiquier. Et elle a terminé son livre. Madame peut aller aux toilettes. Tu es libre, va aux toilettes. Libère-toi sur... Voilà. C'est bon. Alors, son livre, il est comment? Qualité bien, quoi. Ah! Dommage. Ah, parce que j'attends le livre de qualité excellente, quoi. Donc vendre à un éditeur. Voilà, comme ça va faire encore des rentrées d'argent. Et est-ce que sa tâche est accomplie? Non, bah va enchaîner tout de suite. Elle enchaîne. Là, on bosse beaucoup. Enfin, maintenant, enfin surtout Émilie, parce que c'est vrai que moi j'obtiens difficilement des promotions. Mais elle bosse beaucoup et ça va payer un jour ou l'autre. C'est-à-dire qu'on n'aura quasiment rien à faire. Et enfin, même littéralement rien à faire. Et on aura beaucoup d'argent qui rentrera. Ce qui est déjà le cas un petit peu, mais il en faut plus. Il en faut plus. Scénario. Allez, boum. Parfait. Niveau 3 dans la compétence comédie pour moi. Comment j'ai fait? Ah, j'ai regardé la chaîne Humour. Hey, je suis un comique. Venez voir mon spectacle à la taverne. Eh oui, car j'ai été barde dans une vie antérieure. Ouh, le lien entre les séries, c'est formidable. Je suis en train de m'emballer pour des trucs. Alors, volonté de blesser, un scénario. Non, il me faut un autre scénario. Enfin, c'est un scénario, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre? C'est un film? Oh! Allez, une comédie. Eh ben non, c'est un sketch, oui. Elle pourrait aussi écrire des sketchs, mais ce ne sont pas des livres, c'est pas la même chose. Mais ça peut être un scénario qui a quand même une vocation comique. Ou un livre. Enfin voilà, un scénario, une pièce de théâtre, quoi. Quand tout va mal. Le récit d'une journée bien malheureuse. Là, ça fait plus dépressif, en fait. On va rester vague. On va rester vague. Comme ça peut être tout n'importe quoi. Je laisse votre imaginaire s'emparer de la chose pour créer votre propre ambiance autour de ce titre. Voilà. Soit c'est triste, soit c'est comique, soit c'est tragique. Ce qui est pire que triste en fait. Soit c'est horreur. Ah! Bon, un truc d'horreur en pleine journée, c'est vrai que ça le fait moyen. C'est en général c'est en pleine nuit, mais bon. C'est la journée plus la nuit peut-être. Je commence à partir dans des délires un petit peu wouhou. Quant à toi, Kev, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de jouer un jeu vidéo modifié? Très bien. Être amical avec Emily? Très bien. Être malicieux? Bah, tout le monde est sur les ordinateurs. Est-ce que je peux être malicieux avec ma fille? Qui va boire un jus de fruits, apparemment. Allez, on va tous se retrouver là. Allez, taquiner de manière malicieuse. Allez, on va taquiner ma fille. Je vais taquiner ma fille. Allez, je m'assois et je la taquine. Je sais pas quoi dire parce que je sais pas comment il pourrait se moquer de sa fille, ce qui est absolument atroce. C'est bon, il était malicieux là, non? Ah non? Faire les yeux ronds. Ah mais attendez. Malice. Lancer une humeur grotesque, peut-être. Non, parce que ça, c'est être joueur, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, tu peux me regarder comme ça, Emily. C'est encore moi qui vais le réparer.
Bon, j'ai envie d'être amical avec toi, donc on va être amical avec toi. Allez, je t'enlace, ma chérie. Enfin, c'est peut-être. Non, c'est romantique. Est-ce que ça compte quand même? Parce que romantique, c'est même plus qu'amical, ça devrait compter, non? Bon, hé, hey, oh! Hé hey. Bon, écoutez, oui, on peut s'arrêter là, je pense. Ça fait un épisode bien tranquille. En plus, on s'arrête là. On est tous ensemble dans la même pièce. La famille, les amis, la famille. La prochaine fois, bah, on va essayer de satisfaire pas mal de besoins de nos sims, histoire peut-être d'avoir des bonus assez sympathiques. C'est vrai que je pense pas assez à acheter des récompenses avec les points d'aspiration, ce qui peut être sympathique, hein, parce que voilà, ça peut simplifier un petit peu la vie, permettre de faire plus de choses. Mais notamment, ce qu'on va faire lorsqu'on aura plus d'argent, c'est s'acheter des choses qui peuvent servir des activités de groupe, et on essaiera de faire une fête, une grande fête bien réussie avec plein de trucs, de la musique, de la bouffe à gogo, des cocktails et des activités, parce que voilà, je voudrais faire la fête la plus superbe possible. En fait, il y a plein de projets, quoi, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs que je ne fais pas forcément parce que voilà, souvent ce sont des journées pépères. Peut-être qu'il faudrait sortir de temps en temps parce que les épisodes entièrement à la maison, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Il faudrait aussi agrandir la piscine, acheter la fusée, bref, on va se faire plein de choses. Je pense qu'on va peut-être se faire une petite sortie dans un parc. Ça pourrait être sympathique, histoire de rencontrer des Sims et puis d'exploiter vraiment le côté social qui a vraiment été très développé dans ce jeu-là. Donc, je vous salue et j'essaie de faire en sorte que l'épisode prochain ne soit pas trop long à venir après celui-ci. Je ne vous promets rien, je ne peux pas me le permettre, mais soyez sûrs qu'il y aura un prochain épisode. Allez, salut tout le monde, à la prochaine et à bientôt sur les Sims 4.